Mathieu, on est allé à Brest, on est allé à Boulogne-sur-Mer. Déjà, les premiers effets se faisaient sans dire. Est-ce que c'est le cas là où vous vous trouvez? Bon, vous êtes à deux doigts de tourner la dernière... Toute la nuit, je pense. Je pense que ça va être toute la nuit, oui. Vu que... Je vais quand même le préciser, ça. Vu que normalement, on devait finir à 3h du matin, je pense qu'on va finir à 6, 7h. Des vents tempétueux sont prévus cette nuit près de la Manche, notamment sur les départements entre le Finistère et le Pas-de-Calais, placés en vigilance orange. On en avait eu le pressentiment avec le changement d'heure, on en a désormais confirmation. On a bien changé de saison avec cette première tempête d'automne. Et c'est ici en Bretagne qu'elle va frapper en premier vers le milieu de la nuit avant de remonter. Il faut deux personnes pour une mission d'un intérêt capital. Ta gueule! T'es allé trop loin là, Jeannot. Donc je vous présente Jérôme. Jérôme qui joue Fernand Shakespeare. Et donc tu peux me présenter si tu veux. Bon, d'accord. Oui, c'est Hervé qui joue Jo, la Murène. L'histoire a pris de l'ampleur, elle a pris de la cohérence, ouais. elle est plus construite, on sait maintenant qui est qui, avec ouais. Clermont. Ouais. Même nous. Ça veut dire que la construction du personnage, enfin celui d'Hervé comme le mien, on est un peu plus clair dans la personnalité de chacun. Ouais. Voilà, ouais. Savoir. Il y a un côté. Je sais pas comment dire. En fait, les deux sont quand même. Ont deux tempéraments bien différents. Mais je pense qu'il y a une maladresse chez les deux quand même. Ouais. Il y a une espèce de C'est un peu des losers magnifiques. C'est un peu des losers. Ouais. Mais magnifiques quand même. Ouais. Avec une gouaille. C'est ce qui est rigolo à faire. Ouais. C'est un peu. C'est ça. Ouais, vous, en termes de plaisir de jeu, vous éclatez. Bah, en fait, ce que je disais à Jérôme, le truc, je crois, j'espère que je ne me trompe pas, je crois que sur là, cette semaine, sur tout ce qu'on a tourné, j'ai l'impression que. On y a trouvé plus de légèreté dans les personnages. Ouais. Donc du coup, logiquement, ils devraient être plus drôles, ouais. Puisque un peu plus légers, quoi. Ouais. Ça tourne. Ah, bon, pas si à mon garage. Bon, mais. Ah non, mais j'entends bien. Déjà, mais n'empêche qu'il nous reste 3 heures pour le moment où il y a le feu, tu vois, c'est pas évident quoi. Ouais. Ils peuvent aller. De toute façon, le. Oui. Ils peuvent être allés se mettre. Ouais, mais le temps, de toute façon, qu'on ramène tout le matos ici là-bas, ils auront largement le temps de lancer un truc quoi. Oui, mais non, parce que si on commence à ramener des matos là-bas, qu'ils commencent à faire un peu. Pas ici, enfin. On va aller à Rennes chercher une meuleuse pour découper un bidon qui va nous permettre de faire un faux feu avec de la lumière dans Il est 1h du matin. C'était prévu d'aller chercher une meuleuse à Rennes pour faire un feu dans un bidon. Non, pas trop. Attention. Le réglage camille sont bons, mais pas tout. Attention. Coupé. On a passé donc 45 minutes à aller chercher une meuleuse à Rennes pour découper le bidon dont je te parlais tout à l'heure. Et arrivé ici, on a descendu le bidon avec Jérémy, on l'a fait tomber par terre et au moment où on l'a tombé par terre, le couvercle s'est détaché de tout seul et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin de meuleuse.
Qu'est-ce que vous foutez là? On a vu ce dos sec. Il est où le mec avait? C'est pas le Jadot ça. Coupé. Voilà le fond. Merci.